Question de Théo quelle est ta plus grande peur pour l'avenir Salut c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Ça faisait quelques semaines que j'ai pas fait de FAQ sur la chaîne, donc aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Suis-moi sur Instagram si tu me suis pas encore. Prends-toi une petite boisson parce que ça va être une vidéo chill. Et puis je commence tout de suite à répondre à la première question. C'est parti. Première question, question de Mylène, ta situation amoureuse actuelle Question suivante, question de Yanael Quel est ton plus grand rêve Alors il me semble que j'avais esquivé un petit peu la question Il y a quelques mois lors d'une FAQ On m'avait posé une question un peu pareille Et j'avais euh, dit que j'avais pas vraiment de rêve en particulier J'avais pas une, une image en tête Je suis pas ce gamin qui, euh, qui petit euh, voulait monter sur scène Qui voulait euh, devenir astronaute Qui voulait faire ci, faire ça Et qui avait une image très précise en tête J'ai jamais parlé de rêve sur cette chaîne il me semble euh, Je parle plutôt de projet, d'objectifs. Donc j'ai pas un grand rêve par contre il y a plusieurs petites situations que j'ai imaginé dans ma vie personnelle, dans ma vie pro, dans ma vie amoureuse, dans ma vie euh, tout court dans ma vie, des petites situations que j'ai en tête, que euh, auxquelles je pense de temps en temps. Et le fait que ces situations se déroulent une fois dans ma vie, ça me fait un petit peu rêver. Donc on va dire que j'ai pas un grand rêve, mais j'ai des situations que j'ai envie de connaître dans la vraie vie. Et d'ailleurs, parmi ces petits rêves que j'ai, il y avait quand même celui d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube, qui était euh, une situation que j'avais en tête, une, une visualisation que j'avais lorsque j'ai commencé cette chaîne YouTube il y a deux ans et euh, j'ai hâte d'arriver à ce palier du coup pour le fait que pour connaître dans la réalité cette situation que j'avais déjà vécue dans ma tête il y a deux ans je sais pas si vous voyez ce que je veux dire si, si ce que je dis a, a du sens mais en tout cas voilà j'ai pas de, de grands rêves en tête j'ai plein de petites situations qui si elles, si elles se produisent si elles sont aussi belles que ça dans la réalité ça peut me donner une vie de rêve voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Question suivante, quel est ton rapport aux réseaux sociaux Alors, je suis assez nuancé sur les réseaux sociaux. Je pense à la fois que c'est l'une des meilleures inventions avec internet, donc qui, est, qui fait partie du package internet. Selon moi, internet c'est une des meilleures inventions du 21e siècle, c'est une des plus belles inventions possibles, et donc les réseaux sociaux sont la conséquence de ça. Et à la fois. Bah, je trouve qu'il y a de nouvelles choses, de nouveaux problèmes qui sont arrivés avec les réseaux sociaux. Euh, J'en ai parlé parfois sur la chaîne, l'hypersexualisation des réseaux sociaux, le fait que c'est chronophage, que ça peut te voler du temps et te voler une vie même, et que c'est euh, les moments qu'on passe sur les réseaux, c'est des moments dont on ne se souviendra pas forcément dans 20-30 ans, qui ne nous rendront pas fiers. On ne pourra pas raconter d'histoire par rapport à ça. On ne pourra pas dire à nos petits enfants, moi, tu sais, j'ai passé toute l'après-midi sur le canapé à regarder mes réseaux. Bref, il y a beaucoup de problèmes avec les réseaux sociaux, mais je ne serai jamais la personne qui sera au dîner, à table, en train de dire, ouais, c'était beaucoup mieux avant, tout allait mieux avant. Et et que euh, et, et nous on vivait beaucoup mieux sans les réseaux sociaux, il y avait d'autres problèmes, il y a, chaque génération a ses problèmes, donc moi je ne suis pas contre les réseaux sociaux, au contraire <laughs> je suis youtubeur, donc tu vas me dire c'est normal, mais voilà, j'ai une position nuancée mais je trouve quand même qu'on peut faire des choses incroyables avec les réseaux sociaux et ce que j'essaie de vous montrer sur mes réseaux à moi c'est qu'on peut se servir de ces réseaux avant qu'ils se servent de nous ou au moins de faire en sorte d'être un acteur de ces réseaux sociaux plus qu'un spectateur. Question de Elsa, est-ce que tu fumes Non, je fume pas et j'ai pas beaucoup de potes fumeurs donc je pense que ça joue mais moi, je ne suis, suis pas un fumeur. Question suivante, question de Pao Pao. Comment tu gères l'impression parfois de faire des mauvais choix, entre parenthèses, si ça t'arrive Alors, c'est une très bonne question. Je crois que c'est la première fois qu'on me la pose ainsi. La plupart du temps, les questions, c'est plutôt comment tu peux faire des bons choix, comment faire de meilleurs choix, mais rarement comment gérer l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Et je pense que c'est ça qui fait le plus mal, c'est l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Et je pense que personne aime faire des mauvais choix et que. La meilleure façon de gérer ce mauvais choix, c'est pas de se dire la prochaine fois et à partir de maintenant je vais faire que des bons choix, c'est de mieux vivre les mauvais choix qu'on a fait avant, de changer la perspective des événements et des choix qu'on a pu faire avant. Le problème c'est que on a besoin de temps pour pouvoir le faire, pour trouver des raisons objectives de penser que c'était pas un si mauvais choix que ça au final, et c'est impossible de trouver dès les jours qui suivent le mauvais choix, des raisons de penser que c'était un bon choix. Donc, je dirais que le conseil c'est d'attendre, de laisser du temps entre le moment où on pense qu'on a fait le mauvais choix et les jours et les semaines qui vont suivre jusqu'à trouver des raisons de penser que c'était un bon choix. Je pense que quelque chose, une capacité que j'ai développée, je pense et que et que j'aime chez que j'aime que j'aime que que j'aimerais euh, partager à d'autres personnes, c'est une capacité que j'ai à une fois que j'ai fait un choix d'être OK avec ce choix et de pas m'en vouloir rétrospectivement d'avoir fait ce choix. Je, je suis OK, je suis en paix avec le Grégoire il y a quelques années parce que je sais qu'à l'époque il n'avait pas autant de données, il connaissait pas autant de choses, il avait vu moins d'exemples dans la vie, il était moins expérimenté, il, a, il, il connaissait moins de choses, donc je peux pas vraiment en vouloir à la personne que j'étais avant, mais je ne peux pas me permettre non plus de rester dans cette insouciance et dans cette ignorance. Et, et, et donc forcément, j'ai besoin d'apprendre et de progresser pour faire de plus en plus de bons choix. Il faut aussi apprendre à vivre avec des mauvais choix en laissant le temps faire pour trouver ensuite des raisons de penser que c'était un bon choix ou que ce n'était pas un si mauvais choix que ça. Et puis enfin même si c'est avéré qu'on a fait un mauvais choix, qu'on a des raisons objectives de le penser, être en paix avec la personne qu'on était il y a quelques années ou il y a quelques mois qui a pris cette décision et essayer de ne pas répéter cette erreur. C'est comme ça que je répondrai à ta question. Question suivante, question de Léo. Comment transformer une action en habitude bah En soi, une habitude, c'est une action répétée. Donc, c'est juste une question de fréquence et pour transformer une action en habitude. Il faut forcément un déclic parce que tu fais pas quelque chose tous les jours sans avoir un, un, un pourquoi. Il faut au moins un pourquoi, sinon ça ça suffit pas de, de juste vouloir faire quelque chose. Il faut il faut un pourquoi, il faut il faut un comment aussi, il faut quelque chose. Tu peux pas créer une habitude en voulant plaire à quelqu'un d'autre, pour plaire à quelqu'un d'autre, il faut que ça vienne de toi, il faut que tu aies un pourquoi, il faut que tu aies au moins un petit comment, une idée de comment tu peux mettre en place une habitude. Encore mieux, tu peux lire sur les habitudes pour comprendre la psychologie des habitudes. Tu peux lire Atomic Habits de James Clear, tu peux lire euh, le, le mythe de la motivation, The Motivation Myth de Jeff Eden que j'ai déjà commandé, recommandé, commandé et recommandé sur la chaîne. Et puis ensuite, c'est juste une question de fréquence parce que ce qui va différencier l'habitude de l'action, c'est la fréquence. C'est le nombre de fois où tu as fait une action et plus tu vas faire une action, plus tu vas renforcer une habitude et plus ça va devenir simple de faire cette action. C'est un mélange d'action, de discipline, de persévérance, de régularité et de stratégie, de comprendre le fonctionnement des habitudes et de comprendre qu'il ne faut pas simplement le vouloir pour le faire, il faut quand même mettre en place une stratégie. Question suivante, question de Capucine As-tu des objectifs dans le sport Sinon, merci pour ton contenu de qualité. Bah, merci, déjà Capucine. Et puis, j'ai des objectifs, oui, dans le sport, j'ai des objectifs dans la course à pied que j'ai commencé il y a quelques mois, du coup, vous, vous savez maintenant, j'ai un max à 44,44 ,44 minutes pour faire 10 km et j'aimerais bien me tester sur le 400 m et sur le 5 km et pourquoi pas sur le 22 km. Donc pour l'instant je me suis testé seulement sur le 10 km et j'aimerais bien avoir des perfs sur toutes ces différentes distances pour ensuite pouvoir améliorer ces perfs petit à petit. Donc ça c'est pour la course à pied et puis ensuite pour la musculation c'est simplement de, de progresser, de continuer de prendre du plaisir dans le processus et d'améliorer mes perfs aussi. En gros c'est toujours la même chose avec le sport. La première chose que j'ai envie de faire c'est d'améliorer mes performances, de courir plus vite, de faire plus de choses, d'augmenter mes perfs et en même temps de prendre du plaisir dans le processus, de prendre pourquoi pas de plus en plus de plaisir dans le processus, d'apprécier encore plus suer, m'entraîner, de comprendre pourquoi je fais du sport d'où je venais dans le sport pour me continuer de me motiver pendant que je suis en train de, de progresser c'est aussi pour ça que, que je vous recommande de faire du sport c'est parce que ça m'a apporté énormément de choses dans ma vie ça m'a apporté encore beaucoup de choses même aujourd'hui dans cette journée je je commençais pas forcément bien cette journée euh, du coup à 14 h je suis allé courir un 10 km et ça a fait un, un reset dans ma journée, c'est vraiment comme ça que je le vois. Ça, ça me permet de, de prendre un nouveau départ dans une journée. Et ensuite, une fois que je rentre, que je suis courbaturé, que j'ai mal, que je prends une douche et que je reviens sur le bureau ou que je fais autre chose euh, qui me demande de me concentrer un minimum, bah, en général, ça se passe mieux. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment sous-côté, un, un aspect du sport sous-côté parce qu'on parle souvent de l'aspect santé, évidemment, de l'aspect euh, prendre du poids euh, ou perdre du poids, prendre du muscle ou, ou perdre du poids, euh, de l'aspect. Euh, Performance, mais il y, y a vraiment ce truc que j'ai que pas retrouvé dans beaucoup d'autres que j'ai jamais retrouvé vraiment à, à une telle intensité avec euh, qu'avec le sport. C'est cette capacité qu'a le sport à vraiment changer ma vision de la journée. Je peux passer une journée pourrie de 10 h à 13 h faire du sport de 14 à 15 par exemple ou de 14 à 16 et puis passer une bonne soirée, passer une bonne fin de soirée. Et le sport a cette capacité à complètement changer ma vision de la journée, ma perspective. Justement, on parlait des mauvais choix tout à l'heure. Bah le sport m'aide à ça aussi. Lorsque j'ai l'impression d'avoir foré quelque chose ou d'avoir fait un mauvais choix, je vais courir, c'est ma forme de méditation. Et là, souvent lorsque je reviens, je, je comprends mieux mon choix, ou en tout cas je considère pas avoir fait un si mauvais choix que ça, ou en tout cas j'ai un peu médité sur la question. Donc donc ça m'aide beaucoup. Et cet aspect-là du sport, c'est un truc qui est extrêmement important pour moi. Et ça m'aide beaucoup dans mes journées. Question suivante, question de Léo. Est-ce que tu as des livres de développement personnel à lire pour cet été Alors évidemment, le livre de l'été, c'est quand même euh, le livre des étudiants quoi. <laughs> et ben bah tiens, vous savez quoi, je vais vous envoyer 5 livres. Le livre des étudiants, du coup, que j'ai écrit il y, a, il y a quelques mois. Je vais vous en envoyer 5 à la fin de cette vidéo. Les cinq livres ici, je vais choisir cinq personnes parmi les commentaires. Donc, si vous voulez gagner un livre dans cette vidéo, bah vous commentez, euh, je sais pas, euh, je veux le livre ou je veux je tente ma chance, euh, un truc comme ça. Et puis, je sélectionnerai cinq personnes dans une semaine. On va dire, je vous l'envoie par la poste, je vous écris un petit message. À la première page, si vous voulez, et puis je vous envoie ça dans, dans une semaine. On va, vas on fait ça. Je vais, je, je m'engage à vous envoyer cinq livres à la fin de cette vidéo. Tentez votre chance en commentaire, et peut-être que vous gagnerez un de ces livres. Et puis, sinon, si tu as déjà lu mon livre ou que tu as envie de lire autre chose que mon livre, tu peux lire, regarder la vidéo que j'ai faite sur trois livres à lire en 2021. Elle est toujours d'actualité. Les livres dont je te parle dedans sont toujours des livres que je conseille de lire. Et puis voilà, question suivante, est-ce que tu investis en bourse Oui, j'ai investi en bourse depuis un an et je m'intéresse à ça depuis... Deux ans, trois ans, donc j'ai mis un petit peu de temps avant. Euh, il y a eu un petit décalage entre l'information et, et l'action. Donc, euh, donc, en tout cas, maintenant c'est sûr que j'investis que en bourse et je vous prépare une vidéo sur l'investissement. J'ai simplement besoin de continuer un petit peu mes recherches parce que je suis pas encore, euh, je suis loin d'être un expert dans le domaine, mais en tout cas, je commence à avoir quelques connaissances et je vais vous les partager bientôt dans une vidéo sur comment investir quand on est débutant et les différentes façons d'investir lorsqu'on a un petit peu d'épargne à mettre, euh, qu'on a mis de côté et qu'on a envie d'investir. Question de Bernadette Que penses-tu des gens qui disent qu'après une année sabbatique on ne peut pas réussir d'études longues Bah j'en pense qu'ils se trompent Question de Théo, quelle est ta plus grande peur pour l'avenir C'est pas la peur de la mort je dirais, certainement pas mais c'est la peur de vieillir et de mal vieillir, je dirais. C'est... Euh... Une des peurs que j'ai, j'ai peur de devenir, j'ai peur de devenir un, un vieux aigri. <laughs> mais je pense qu'il y a peu de chances que ça arrive, mais j'ai juste peur de, de mal vieillir ou de vieillir trop vite, de perdre mon âme d'enfant, de perdre ma créativité, de perdre ma mobilité aussi, de, de mal vieillir tout simplement. Mais en soi, la vieillesse me fait pas peur. De toute façon, j'ai pas de raison d'avoir peur de quelque chose qui va se produire à 100 qui, qui nous concerne tous. Mais Mal vieillir, ça me fait un petit peu peur et surtout le regret euh, qui va avec... Je pense que les gens qui vieillissent mal sont des personnes qui ont des regrets et, et c'est ce mélange entre regret, mal vieillir et, euh, et perdre des choses euh, ou, ou pas avoir réussi à, à prendre soin de choses qui, que je regrette après de ne pas avoir entretenu, que c'est plutôt ça qui me fait peur, je dirais. Donc c'est un mélange entre vieillesse entre incapacité physique intellectuelle et entre regrets qui me fait peur. Je dirais que ce, ce mélange-là me rendrait sûrement malheureux dans euh, plusieurs années, donc euh, c'est ce que j'essaye d'éviter pour, pour l'avenir. Est-ce que tu as des regrets après tout ce que tu as créé euh, ça, ça revient un petit peu à... Il faudrait que je vous fasse un petit schéma où, euh, tout bête où, euh, où, où vous compreniez que plus on prend de décisions, plus on augmente les chances de... Prendre des bonnes, de prendre des bonnes décisions et des mauvaises décisions mais plus on prend des décisions plus on peut nourrir des regrets mais il vaut mieux avoir des petits regrets sur le court terme et sur le moyen terme plutôt que de ne prendre aucune décision de ne rien changer pendant les prochaines années et d'avoir à la fin de la vie le plus grand regret qu'on peut avoir d'une vie celui d'être passé à côté de sa vie et donc tu dois faire un choix entre le, le regret à long terme, celui qui selon moi fait vraiment mal, et le regret à court terme et à moyen terme où tu vas prendre des décisions, où tu vas te tromper, où tu vas faire des mauvais choix, où tu vas regretter des choses, mais où tu vas continuer de progresser et essayer de, bah, de prendre de plus en plus de bonnes décisions, justement parce que tu auras plus d'expérience. Mais pour répondre à ta question, j'ai pas beaucoup de regrets par rapport à ce que j'ai créé, parce que c'est quand même assez récent. Ça fait que... Allez 5 ans que j'essaye de progresser, que j'ai commencé à lire, à courir, à faire plus de sport, à prendre plus soin de moi, à faire attention à mon avenir, penser à mon avenir, essayer de trouver des solutions pour mon avenir. Donc ça fait quand même plusieurs années que j'essaie de progresser, mais sur une vie ça fait pas beaucoup. Sur les 22 ans que j'ai ça fait pas beaucoup. Et donc c'est encore, encore un processus assez récent pour moi. Donc j'ai pas encore de gros regrets et je pense que les fameuses décisions très difficiles à prendre, j'en ai peut-être une seule ou deux depuis que j'ai commencé à, à commencer ce, depuis que j'ai commencé à rentrer dans ce processus je pense que les vraies décisions difficiles que j'aurai à prendre elles arriveront dans les prochaines années donc j'ai pas encore beaucoup de regrets parce que je suis encore qu'au début du processus. C'est comme dans un film, il y a le, le, le héros du film, il a toujours des décisions difficiles à prendre et elles arrivent souvent à la fin du film. Et moi je suis encore au début du film, là où ça se passe quand même assez bien, là où il n'y a pas encore eu le, le grand méchant qui arrivait, donc je dirais que pour l'instant ça va Niveau au niveau des regrets. Et donc cette question conclut cette nouvelle FAQ. C'était assez long, j'espère que ça vous a plu quand même cette FAQ, j'espère que bah, vous avez pu apprendre des choses comme d'habitude, que vous avez pu passer un bon moment. Même si les questions étaient un petit peu deep, hein. parfois c'était un peu... Un peu, euh, c'était pas si chill que ça comme FAQ au final, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Au moins, c'était euh, vrai, c'était des, euh, des discours, des discours réels, c'était des, des vraies questions euh, intéressantes. Et puis euh, voilà, si vous avez envie de gagner les livres, bah vous commentez. Et puis moi, je vais sélectionner 5 personnes sur Instagram dans une semaine tout pile. Prochaine vidéo dans quelques jours, abonnez-vous pour pas la rater. Likez la vidéo si elle vous a plu et commentez si vous avez quelque chose à me dire dans l'espace commentaire. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bon courage dans vos projets, bon courage dans vos révisions et puis à la prochaine. Ciao